Kikou, petite nouvelle des garçons. Donc ce matin, bon, au vu des photos que vous aurez vues certainement juste avant que j'ai pris au matin, je me suis quand même levée de bonne heure parce que bon, j'avais tout l'entretien des box à faire, tout le foin à faire avant l'arrivée du veto. Donc tout simplement parce que j'avais un rendez-vous avec le, enfin le, on s'était fixé rendez-vous avec le veto pour le petit père qui se trouve juste là et qui dort encore pour tout ce qui était vaccin, dentisterie. En fait, on devait contrôler sa quenotte qui s'est fracturée d'un tiers. Donc ça, c'est en bonne voie. Voilà, j'ai plus trop à m'inquiéter. Il a eu ses vaccins. On a fait la dentisterie dans la foulée. Tant qu'on y était, on l'a tranquillisé. On a fait la dentisterie dans la foulée. Voilà. Et là, il est en train de faire dodo. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de nettoyer son fourreau parce qu'il me laisse jamais faire. Donc, j'aimerais lui nettoyer un petit peu. Donc, je vais aller faire tout ça pour essayer d'aller lui choper son haricot parce qu'il a encore le haricot. Donc, voilà. Donc, je vais aller m'occuper de tout ça. Mais voilà, dans l'ensemble, au niveau de sa quenotte, il va falloir contrôler tous les ans. Donc, à chaque fois qu'on fait les vaccins, il faut que je note qu'il faut contrôler sa quenotte parce que bah, en fait, ça peut faire des gingivites, comme il m'a expliqué. On a aussi vu avec pour Jean, parce que Jean, Jean, c'est un cas un peu complexe. Je voulais lui faire un contrôle oculaire. Donc, je reprends parce que j'ai eu un message juste avant. Oculaire pour voir où il en était au niveau de sa vision parce que bah, Jean. Quand je pars en extérieur, qu'il y a des gens qui sont loin, des poubelles qui sont loin, des boîtes aux lettres, et pourtant qu'il connaît, hein, puisqu'on passe souvent, bah, il se met en panique. Je me suis dit, bon, Jean, de toute façon, il a un problème oculaire, de toute façon, je le sais, il vieillit, voilà. Et en fait, son cristallin est en train de vieillir de plus en plus, et je voulais savoir ce qu'il en était. Donc le veto m'expliquait que bah, ça se vieillissait. Et je lui ai demandé si bah, il pouvait en devenir aveugle, et il m'a expliqué que oui, bon. Avec, je pense, dans le temps. Donc, bon, c'est pas dramatique en soi, hein. Je m'y attendais un petit peu. Je me suis dit, de toute façon, sa vue, elle baisse. Après, moi, Jean, il a aussi très confiance en moi. Je suis ses yeux, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, bah, je ferai en sorte d'être ses yeux et de l'aider au mieux aussi. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Bon, je vais y aller parce qu'il est en train de se réveiller et que j'ai envie de lui faire son fourreau. Allez, sur ce, je vous laisse. Sinon, dans l'ensemble, que de bonnes choses. Allez, je vous laisse. Voilà, passez une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao! Je vous montre un peu la grosse patate d'amour, là. Moi, ouais, oui. Pas facile, la vieillesse. C'est pas facile. Les voir vieillir, c'est pas facile. Ah là là. Je vais prendre le soleil. Ça va faire du bien. Il fait frais hein, quand même, le vent il est frais. Et là il prend le soleil tranquillos. Oh mon jaja.